En Colombie, depuis plus de 15 ans, la communauté de paix de San José de Apartado développe un projet de paix basé sur trois principes. La neutralité face aux conflits armés, la justice pour les crimes commis à leur encontre, et enfin la souveraineté alimentaire à travers une activité agricole entièrement biologique et respectueuse de l'environnement. Ce groupe de paysans mise sur la paix et sur un développement durable en réponse aux conflits armés qui secouent le pays. Aujourd'hui, leur projet de paix est menacé. Cultivateurs de coca, multinationales d'exploitation minière et industries agroalimentaires souhaitent s'accaparer leurs terres. La campagne Tagua Tierra y Agua veut soutenir la communauté et son projet en lui permettant d'acquérir en propriété collective un terrain de 80 hectares qui abrite les principales sources d'eau de la région et de nombreuses espèces végétales et animales menacées. Tenemos miedo sobre esta agua porque no sabemos qué decisión va a tomar los dueños de esa tierra, de esa agua. Si van a talar el bosque, la fuente de agua va a desaparecer o qué. Es una necesidad grandísima porque es el único medio de abastecimiento de agua que tenemos la familia aquí. Y si pudiéramos de pronto obtener esa tierra que quede a nombre de la comunidad de paz, sería lo ideal porque con eso abasteceríamos las familias con el agua y las actividades que tenemos, que vamos a realizar como comunidad. 50 000 francs sont nécessaires pour acquérir ce terrain. Nous avons besoin de votre aide pour atteindre notre objectif. Ensemble, c'est possible.